Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Mon babli dit accusation. C'est pas même des accusations, il dépasse le stade d'accusation qu'on y a, c'est des sanctions que le pays Canada prend contre trois personnalités, ou c'est une nanyo, ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Jean-Henri Séan, et non cité la donne tout. Ministre Affaires étrangères que le pays Canada, Mélanie Joly, spécifiquement dit que sanctions ça, c'est pour empêcher nous continuer à financer gang et à supporter gang qui ont même à péter la trouble dans le pays d'Haïti dans ce moment-là. Qui ont réagi à sanctions ça? Bon, moi-même, c'est avec un pile stock, avec surprise, que m'apprenne une nouvelle là, parce que c'est sur Internet, c'est dans WhatsApp pour mon niveau et bien. Et que m'apprenne une nouvelle. D'ailleurs, c'est une nouvelle pour moi. Et parce que Laurent Lamotte, c'est le plus gros cauchemar que gang dans le pays d'Haïti, déjà m'gagne. Pendant 31 mois, me fait comme premier ministre, et ça, tout le monde doit reconnaître. Niveau criminalité a été venu passer à zéro pratiquement. Gang yoté en déroute. D'ailleurs, moi même c'est seul premier ministre qui campe en face gang yo. Pi gros réseau gang pays qui était les gang Galil. Nous t'ai arrêté chef gang là qui était son la famille qui était dans prison pendant l'année là. Deuxième pi gros réseau kidnapping là, c'était Clifford Brandt si nous songez. Et c'était un gros potorique et oligarque qui t'a baillé problème dans la question kidnapping, eh bien, le gouvernement a été arrêté, monsieur. Et puis jusqu'à présent, il a condamné à 18 ans de prison pour question criminalité dans le pays. Donc, pour jouer aujourd'hui, pour que le gouvernement Canada, pour moi-même, il a induit en erreur. Et induit en erreur, là, pour moi, parce que nous commençons à faire des investigations pour nous connaître. Côté ça a sorti parce que son choc lié. Et c'est pratiquement une blague de mauvais goût. Parce que là où est qualité de monde qui commence à dire que oh, c'est eux qui te baillent, non, c'est eux qui te fait ceci, c'est eux qui te fait cela. Ou tout est son lynchage politique, une forme de revanche politique à fait là. Parce que je connais que continuez. Monsieur Lamotte, permettez-moi simplement rappeler que il s'agit de un pays. Il s'agit de Canada. Il n'y a pas à faire des accusations. Il n'y a pas à prendre sanction comme ça. Pour avoir une sanction, sûrement, il faut qu'il y ait des évidences, des preuves. Moi-même, ça me t'a pensé. Tel bagaille. En droit international, avant que vous accusez un monde, il faut que vous fassiez une enquête, il faut que vous fassiez une investigation. Or là, il y a zéro preuve, zéro enquête. Il n'y a pas gagné un homme. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Que son revanche politique par un petit noyau qui est Canada et il commence à mettre tête dehors. D'ailleurs, nous constituons une batterie d'avocats pour que qui prenne le reste en main, qui prenne clarifier la question. Ça. Parce que tout le monde connaît Laurent Lamotte pas dans la gang. Laurent Lamotte maté gang, mais Laurent Lamotte pas dans la se coller avec gang. Ni l'MDLA, ni Jodia. Donc, quel que soit, le gouvernement Canada, il faut vérifier les sociaux. Là, il y a gagné. Mauvais monde. Il faut aller vérifier les sociaux. Et si vous faites une investigation, vous avez compris que le Laurent Lamotte là, pas de question. D'ailleurs, gang yo qui était là, que nous devons joindre. Vous avez plus d'armes que la police. Nous équipons la police là. Nous battons la police là, moi. Hein? Pour que Haïti, qui était pratiquement dernier dans le Caraïbe, qui était plus d'insécurité, vienne deuxième pays plus safe dans le Caraïbe. Et tout auditeur, auditrice, tout le monde qui a regardé l'émission dans VOA Créole, capable de constater que de 2012 à 2014, l'homme de premier ministre, il y a un ordre de discipline. Le monde doit rentrer en Haïti, j'en veux. Pas de problème, question de gang qui a bloqué 4 départements dans le pays. D'ailleurs, nous-mêmes, c'est question de touristes avec investissement qui a géré. Et pour nous gérer ça, il faut avoir un contrôle de sécurité du pays. Nous devons faire de sécurité nationale, soit le bataille. Donc, je ne veux pas dire à mon gang son blague de mauvais goût que lié, irrisible. D'accord. Ou dit que son blague de mauvais goût. Donc, ou passez et
ou sous-estimer sanction ou du moins ou dit que m'a reprendre peut-être sortie tout à l'heure là gagné ou pensez que gouvernement canadien plus précisément gouvernement Canada mal informé ou dit qu'on a une batterie d'avocats qui évidemment prend ça en main ou à investiguer et qui sont obligés dit par là est-ce que ou mettre en question sanction ça yo et même accusation ça d'abord c'est parce que yo accusé d'abord et qu'on y a pu venir prendre sanction contre tout ou mettre en question tout ça que pays Canada fait parce que pas oublier nous joindre premier ministre Justin Trudeau qui était chita ensemble avec ministre affaires étrangères là et madame Jolie qui au même tout a annoncé ouvertement que prend sanction contre nous trois on nous dit mais comme c'est avant on a parlé avec ancien premier ministre Jean Lamotte ou même et est-ce que ça veut dire que Canada il semble gagner pays Canada gagner yo by blague deux fois politiquement, ils sont en sérieux. C'est qu'on comprend. Non. Pays, non, pas prendre comme une blague, au contraire, c'est pour ça que je dis blague de mauvais goût. Je prends très au sérieux. OK. Et moi, j'ai des positions que je prends, l'homme quitter le pouvoir. OK. Moi, je ne pas rentrer dans la politique du quotidien. OK. L'homme est démissionné, je retourne dans la vie privée et je m'occupe à affaires privées. Cependant, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, moi, je prends une position publique. Et position, ça a dérangé plus d'un dans le gouvernement actuel. Là. Parce que le mandat de justice pour Jovenel Moïse, moi, mandé un tribunal international qui pour identifier avec juger les gens qui ont assassiné le président, il a dérangé une série de monde dans l'opposition, tant que dans le gouvernement. Et l'homme commence à regarder ce qui a passé là, pour moi-même, il est clair que nous avons un cas de revanche politique. Parce que l'homme fait déclaration, ça, l'homme prend position, ça, c'est une position de principe que je prends. Et puis, Laurent Lamotte, tout, deuxième position que je prends, c'était une position de principe vis-à-vis de gang en Haïti. Et me demandait, mais c'était le premier monde qui m'a dit aide. Communauté internationale là pour y envoyer une force spéciale d'ailleurs sur compte Twitter à Laurent Lamotte nous allons vérifier mander une force spéciale internationale pour venir courir la police là pour venir finir avec phénomène gang là parce que moi jugé que c'est seul moyen pour nous remettre sécurité nationale dans le pays là. Donc de ça qu'on y a là moi prend les plus grands médias internationaux OK pour me goumer pour cause sécurité pour pays là. Pour me goûter pour cause, voyez, une assistance par la police nationale avec l'armée. Remembrer, bailler équipement, venir avec force spéciale pour mettre en face gang yo. Pour finir avec le kidnapping. Et puis, deux semaines après, pour me tendre que le gouvernement Canada a dit que moi-même, je suis financement gang. Moi-même, gouvernement Canada, si c'est ça, mettez pour un vieux public. Mettez tout ça dossier public, pas qu'un dossier en catimini, mettez le public parce que pas qu'un dossier. D'accord. Et moi demandé au pays Canada qui justement ça. Demandé pour mettre preuve que gagne public, ça c'est un. Et deuxièmement, moi demandé tout pour que ça relé du process. On va attaquer au monde pour une investigation qui fait. Parce que n'importe qui criminel dans le monde, mais avant de mettre sanctions sur lui, il y a une investigation qui fait. Deux investigations qu'on y a là, ou vient avec un dossier, ou vient avec des indices, ou un motif. Là, ou pas en église au matin, et pour là, non, là, non, parce que non, ça, ok? Moun qui, justement, ti noyau ça, qui dans Canada, qui au même dérangé énormément par. Position que nous avons gagné, nous servi avec la plateforme, nous ensemble avec le Premier ministre, nous pour induire M. Anywhere. Et c'est là que nous allons aller avec nous. Mais le prochain jour, nous allons voir ce qui s'est passé. Moi-même, je suis étonné, je suis choqué pour moi que le ministre des Affaires étrangères, Généus, chita à côté de Trudeau, et puis, pendant qu'il a annoncé des sanctions contre. Un ancien président avec deux anciens premiers ministres, et puis moi, la fait déclaration qu'il a fait. Pendant que c'est Michel Martelly qui pratiquement imposé Ariel Henry by, comme pour une premier ministre de pays. Donc c'est le monde à l'envers. Intéressant, d'accord. Nous pouvons venir sur ça.
Mais on dit quand même, on devrait demander, on dit continuer à y aller au Canada qui ont même a influencé ou bien induit en erreur le premier ministre Justin Trudeau, premier ministre canadien. De qui est-ce qu'on parle, Simon Do? Qui est-ce que bon, on est que nous constituons un cabinet d'avocats, il y a une investigation qui est en cours, on a bien pour recevoir l'annonce dans la prochaine semaine, nous avons bien. D'accord. Maintenant, on se dit tout à l'heure, là, je suis d'accord avec vous. Pays Canada qui quand même et nous voit que premier ministre canadien Justin Trudeau, ministre affaires étrangères là, madame Mélanie Joly, yo pas être figure puis yo fait accusation. Ça du moins si yo prend sanction ça yo. Donc mes amis, il faut une investigation qui t'a fait ou dit tout, demander ça tout. Et c'est ça qu'on a essayé faire là pendant qu'on prend avocat ou demander qu'il vienne à preuve yo. Mais quand même pendant que ou t'es yo insinué tout dans sanction yo que des monde koué ou comme ancien premier ministre et en Haïti à l'époque, ou t'a gagné des influences. Et puisque on a rappelé que le premier ministre lui-même c'est lui qui chef CSPN, c'est ça. Comme chef CSPN, est-ce que vous avez des influences, des contacts avec bah, des présumés chefs gang? Et bon, c'est une question que vous posez. Est-ce que vous même ou j'aime, puisque comme premier ministre, vous avez quand même en proximité avec collectivité territoriale, ou vous avez contrôlé en quelque sorte pays, la sécurité pays, on se dit là. Donc, pas de connexion avec gang, chef de gang, que peut-être ou pas de connaître. Volontairement et involontairement, Laurent Lamothe. Donc, soyons concrets. L'homme de là, chef de gang, c'est dans la prison qui était. Donc, nous ne pouvons pas être là avec chef de gang. Par exemple, sous son jeu, bandit Anel, village de Dieu, qui créait toute qualité de problème, et même dans la prison, l'homme de là. Tout bandit gang Tchétchénie, qui a opéré dans tout ça, c'est dans la prison qui était. Donc, nous ne pouvons pas gagner aucun palais pour nous faire. D'ailleurs, il y a une politique de zéro tolérance contre gang. À l'époque et jusqu'à présent. Donc, je me trouve très déplacé pour un gouvernement, sans pas même faire une investigation, sans pas même un seul document dans mail, pour la prendre parole dans des opposants de notre politique, dans le noyau, ça m'a parlé, il a bien bon arrivé sur eux, pour que vous venez sanctionner des mondes, alors que le Canada est un pays, son état de droit. Le Canada est un pays, côté que, quand même, au moins, il faut que tu aies un processus qui fait. Ou pas accuser un ancien premier ministre de mon pays et ou accuser, et là m'a parlé pour Laurent Lamothe. L'autre a bien pour parler pour tête, mais je vous dis, moi-même, bilan sur la lutte contre la criminalité, c'est un bilan qui est irréfutable. Donc, pour essayer d'associer avec des gangs, je vous dis, pour moi-même, c'est une ineptie et son absurdité totale. Et c'est pour ça tout que nous allons défendre jusqu'à la dernière minute. Ok, pour la vérité qui a passé. D'accord, c'est ça que nous avons fait là tout. Merci parce que vous avez aidé nous faire dans VOA la Voix d'Amérique. Mais pendant que tu es premier ministre, chef CSPN, où tu es dit, où tu dit là, et l'histoire quand même, où noté que tu as fait arrêter une chef gang qui t'a relé, et tu n'as pas joué quand même, et son la famille. Mais tu es venu lâcher finalement. Donc c'est sous même gouvernement là que tu es lâché. Tu es lâché. C'est-à-dire que. Oui, Valérie, ça a son très bonne question. Et en nous précis sous date, ok? Moi, j'étais premier ministre de mai 2012 à 12 décembre 2014. Pendant le bilan, ça a Haïti passé pendant mai 2012 à décembre 2014. Moi-même, je suis capable de responsable de période ça, ça qui passait dans la période ça. Ça qui passait avant, mais ça qui passait après, je ne suis pas responsable. Lui, il vient laguer son la familia en avril ou bien en mai 2015. Donc, 6 mois après aller. Donc, je voulais préciser sur ça. Moi-même, moi, c'est un monde qui milite, qui goûte pour que nous ramener un climat serein. D'ailleurs, tout le monde qui a été là, qui est dans New York, qui est dans Miami, qui est dans Canada, qui est dans Atlanta, tout le monde qui a fait des vacances sur Haïti, qui est posé. Yo te allé en province, yo te allé en fête champêtre, yo te posé. Pour ça parce que c'était un travail qui t'a fait. Au plus haut niveau. Et ça a nous assumé. La police a nous travaillé de manière très proche avec le gouvernement canadien, avec l'ambassadeur canadien, avec chef, assistant chef ministère qui est dans le Canada. Faut aller les gens pour demander est-ce que Laurent Lamothe t'es jamais en connivence de près ou de loin avec une gang? Ou bien est-ce que Laurent Lamothe tape travail pour bailler la sécurité? Yo même yo là, yo qu'a témoigné de ça.
Donc, ou pas arrêter au sale monde avec sale famille au monde basé sous zin avec sous monde qui a pris une revanche politique sous. Ça inacceptable. D'accord. En... Pour un gouvernement pour on prendre des mesures comme ça et puis même un minima d'information, il va chercher plein, il va chercher contre monde qui a sanctionné yo parce que si tu as chercher contre monde qui a sanctionné yo, il va jamais qu'à tomber sur l'eau la mort. L'eau la mort pas toléré gang. Nous comprenons ça. L'eau la mort est full sécurité. Nous comprenons ça. Mais... Tout à fait. Mais en nous quand même bayo le bénéfice du doute que yo takam quand même nous pas connait moi même avocat fait interview ça là nous pas connait si yo pas mené investigation. Est-ce que si yo gon investigation qui yo mené et alors bon pose une question peut-être on l'autre gens. D'ailleurs on répondait en partie mais pour laisser ouais qui genre qui l'autre partie que nous t'ai joindre mosso dans réponse dans mais on dit que son secteur un groupe dans Canada qui peut-être a financé gouvernement canadien mais basé d'après ou même basé sur qui ça yo fait accusation ça d'après ou même l'ont regardé l'ont après qu'on prend nouvelle là ou dit son monde qui voit le bas ou dans WhatsApp après qu'on y a au chita calmement ou réfléchi dans tête ou dans réflexion ou dit tête ou mais sur qui ça yo basé l'ont posé tête ou sur qui ça yo basé pour yo fait ou bon pas même accusation prend des sanctions quand tout qui répond au jeune ciblage politique ou revanche politique et puis yo pas même position sur question assassinat président Jovenel Moïse là. Donc faut que gagne un gens pour éliminer politiquement et gens qui plus facile là c'est ça c'est induit mon en erreur. Ouais. C'est venir avec d'ailleurs c'est servir avec plateforme d'ailleurs hier m'a attendu et un député qui t'a parlé dans journal 4 qui t'a expliqué que oh lui-même il fait ceci cela, c'est eux même qui viennent avec sanction et tout. Donc de toute façon, on pas parler trop de détails. J'aime dire là nous mon cabinet d'avocat qui travaille. Et la vérité a sorti parce que tout menti par un fond. Et m'a dit on va aller plus loin avant parler. On va aller plus loin. Dans interview que me fait sur CNN avec Al Jazeera, moi supporter des marches sanction. Parce que moi dit que sanction yo c'est un moyen efficace pour capable empêcher moun qui finance gang cap créer insécurité pour continuer à faire. Mais supporter régime sanction. Ça c'est un. Mais faut faire attention, l'un a sanctionné monde pour un dossier, pour une investigation qui fait avant. Ou pas capable sanctionner pendant que ou pas investiguer. Et là il vient dangereux parce que là on fait innocent payer pour coupable. On gagne mauvais monde. Et là moun sa li même parce que son pays qui a droit moun sa li même a droit défendre et c'est ça m'bra le fait et c'est ça n'a fait parce que essayer à impliquer non Laurent Lamont dans question gang c'est injustice à faire et ça me trouve que son injustice et injustice énorme que pays Canada a fait le par exemple l'autre déclaration et ministre affaires étrangères qui dit comme ça ou et que aider nous retirer dans cauchemar ça. Donc c'est Laurent Lamotte qui parle depuis 8 ans qui pas qui pas dans gouvernement depuis 8 ans. C'est sous Laurent Lamotte ministre ça tombé pour demander retirer cauchemar pendant que ministre justice lien qui responsable sécurité dans pays a lui-même yo impliqué dans kidnapping avec dans criminalité. C'est pas même qui fait. Et c'est pas même qui a accusé tout parce que m'a pas accusé. Mais m'a questionné le fait que qui autorité morale au monde gagne pendant que en deux gouvernement ça gagne n'importe il y a plusieurs ministres dans une cité dans criminalité et nous ouais état pays à tout monde pas même sorti la cali kidnapping il y a plus que 1500 kidnapping qui fait en 18 mois pays à tête en bas donc c'est sous moi même. Yo vinn tombe côté pays a te pi y a plus sécurité côté que moun te kap comme si n'ta dou pas gen zone de non droit pas gen matisan village de Dieu son côté m'te ali même pou faire distribution pour aller faire distribution kit alimentaire pour m'aller parler avec jeune yo m'te aller là en visite pas gen qualité guerre ça gen là côté que moun ou gen gardé ou gen 4 départements dans pays qui bloqué depuis presque un an et demi. Imagine nos populations et populations département ça sud-est sud grandeur
Imaginez-vous et on parti dans l'ouest là. Donc c'est qualité vous revanche ça nèg a chercher prendre sur monde. Nèg ou même comme Zidane tant qu'on élément gênant parce que une bonne position pour l'amour Jovenel là. Donc faut éliminer politiquement pour ça. Nous comprenons. Mais d'aller chercher une autre raison parce que ça va passer. D'accord, nous avons décidé et ou répété plusieurs fois dans l'entrevue ça, ou gagner et ou faire recours, ou prendre des recours légaux, c'est-à-dire ou gagner avocat qui peut mener question à la justice face à pays Canada. Mais en nous, maintenant, ou gagner doit répondre ou pas répondre question ça, c'est pas au même seulement. Et c'est toi non alors, c'est toi non ça, ou à un moment là qui a fait actualité, non ça, nous n'a pas cité, c'est ancien président Michel Martelly et ancien premier ministre Jean-Henri Séan lui-même tout, c'est pas au même seulement. Et réaction vis-à-vis de l'autre, de Mounsayo, et ou parler avec au courant ou parler nous échanger aussitôt que nouvelle dans sorti une concerté l'autre et qui réaction vis-à-vis de l'autre non ça Michel Martelly par exemple les noms dans liste qui ont réagi mais pas gain rapport avec Monsieur Martelly depuis plus que 18 mois donc Monsieur Martelly a bien pour bien stratégie je suppose mais moi même chaque monde d'ailleurs dans la justice ou dans le droit international ou pas faire ton gars. Chaque monde pour un dossier, chaque monde pour un décharge. Sinon, c'est dans la politique. Oui. Moi-même, je parle pour tête de ça. Et de ça que tout pays, avec toute diaspora, je connais. Et Premier ministre, parce que beaucoup parlent avec elle. Et nous avons échangé il y a quelques semaines de ça, même beaucoup parlent avec de ça. D'accord, on s'y parenthèse bien vite, pendant que tu as parlé, on dit qu'on n'a pas de rapport avec M. Martelly, bien que tu es Premier ministre, et pendant que tu es président, ou tu es Premier ministre, nous travaillons ensemble quand même. C'était quand même à l'époque la belle équipe. Donc, pas de relation encore, pas de rapport avec Martelly. Est-ce que tu as demandé pour qui ça? Bon, effectivement, pas de rapport avec M. Martelly depuis 18 mois. Et moi-même, moi, j'étais très déçu de M. Martelly. Après question de la mort Jovenel là parce que je t'ai choisi d'être en silence et alors que moi j'ai jugé que pour une qualité assassinat spectaculaire comme ça eh bien et monsieur pour moi ça c'est mon humble opinion monsieur t'est doué sorti parce que c'est lui-même qui t'a choisi Jovenel Moïse qui t'a cherché tout du nord OK pour deviner occuper fonction de président donc moi-même monde qui solidaire. Moi-même, je suis un peu pour moi. Et je suis déçu. Donc, c'est une déception personnelle que je gagne de ça. Qui fait que le président Martelly, je n'ai pas eu aucun contact avec lui depuis plus de 18 mois. Plus de. D'accord, bien que quand même, on ne parle pas de la perception. Depuis la mort Jovenel, d'accord. On ne faut-il parler de perception? Permettez-moi de parler de perception, parce que perception, en cas de fois, reflète la réalité. Bien que quand même, il y a quelque part. Et souvelez la clameur publique et impression, perception toujours associée avec Michel Martelly. Regardez, je dis à là, on a l'islam parmi non yo même, Michel Martelly, ancien président, et Jean-Henri Séan, ancien premier ministre. Quelque part, pendant que vous êtes premier ministre, chef CSPN sous la présidence de Michel Martelly, Gemoun Gédois dit que mais ou tap travail de conseil avec Michel Martelly, eh bien, nous deux, nous tap bien travail, puisque vous tap parlé, vous tap dit que vous avez sécurité dans le pays. Notamment arrestation, chef gang. Et bon, présumé chef gang était arrêté sans son la familia et Brandt, etc. etc. Ça n'a pas entré quand même dans la logique de la présidence et du premier ministre. C'est quand même un travail que nous avons fait un concert, deux concerts. Nous pas qu'à nier. D'ailleurs, encore une fois, on a parlé de ça qui passé. Lundi là, le président Martelly était choisi pour le premier ministre. Il était venu un coup de main. Je devine un coup de main. D'ailleurs, c'est dans ce sens que je devine entrer dans la question. Je ne suis pas un politicien. Moi-même, je devine pour m'aider pays. Parce que je devine après, je devine à pays, je à genoux. Et, là, je devine entrer, tout le monde dit que je ne suis pas entré. Parce que, il y a un pile problème dans la politique pays. Haïti, son pays, mangeur d'homme. Est-ce que le monde ne va pas entrer avec ces gens qui ont même vision à voir? Et, donc, moi-même, je devine. De manière, moi son nationaliste, moi mon pays. Moi te dis, bon, j'aime mon pays là, je vais contribuer à l'expérience. Expérience, surtout en gestion, parce que quand même, moi j'ai une licence en sciences politiques, et j'ai une société que j'ai créée tout depuis 1998, que j'ai opéré. Nous sommes, nous-mêmes dans la diaspora, j'ai une opinion
longue distance et mais nous une longue distance c'est nous un partenaire donc nous avons décidé et vinn ba un coup de main donc bilan c'est bilan pam et c'est bilan président Matelier tout mais ça c'est l'homme de là après le maléa toute décision qui prend yo pas impliqué l'eau la mort ni de près ni de loin d'accord. Mais une décision, on vient sous une décision. 12 décembre 2014. On précise date là, 12 décembre 2014. D'accord, nous retenons date ça. 8 ans. C'est ça pour les gens qui peut-être a regardé interview ça qui veut faire ça really en anglais, fact checking. Il a vérifié les faits. Absolument. Bon décision côté prend quand même. Monsieur Lamotte, c'est une décision à nous qu'a dit qui a lié avec gang. Nous parlons de des éclaircissements sur ça. Et bien même ancien député qui était même fait des accusations, ils te font paraître dans la presse, n'a pas parlé du député, ancien député Anel Belizer, qui était accusé ou était commandé et une cargaison d'armes sorti dans le pays Israël, si je ne me pas trompé, et des armes qui ont rejoint dans mes bandits. Qui soit qu'a dit nous, deux questions ça. Ou quand même te commandé des armes sorti Israël, pour qui ça et dans quel contexte? Et je dis à n'a regardé qui j'en gagne, il y a des gros armes, fin de fois, dans mes yeux, il y a des accusations, des perceptions, même qui t'a dit ces armes, c'est qui n'en mes yeux. Qui j'en qu'a répondre à l'accusation ça? Mon premier point que je dis, c'est que faut nous garder et qui est-ce qui a fait accusation, premièrement. Parce que si le monde qui a fait accusation, Anel Belizer, c'est bon, son monde que tout le monde connaît, son monde qui est en prison justement pour trafic illicite d'armes, son monde qui passe dans manifestation avec mitraillette Galilée, au contraire, si je ne sais pas, c'est même Galilée qui a été commandé pour payer un achat qui vient nous retrouver dans la main. Individu ça et yo te vinn arrêté Jacques même que yo nous pile zam fond fois dans mel absolument un paquet mitraillette dans mel alors que mitraillette gen but exclusif pour la police nationale d'Haïti et mais élément ça a te vinn retrouver avec un dal mitraillette côté jeune mitraillette yo pour mandel ça côté jeune mitraillette qui était dans mel côté jeune. Est-ce qu'un civil qui doit avoir une mitraillette dans un pays, armes de guerre, illégal, et pour ça, il est en prison, et il a eu sans jugement. Donc, ça, c'est une. Ça, c'est mon sac qui fait accusation. Et en partant tout, je profite de rappeler l'affiliation que Anel Belize a gagné avec oligarque Boulos. Ok, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie côté le temps, mandé militant. Travaille ensemble avec monsieur Agboulos. Donc moi à partir de moment que moi que Anel Belize a pour recommencer son campagne menti bluff avec fake news, OK même questionner qui monde qui d'elle et mandé moi est-ce que c'est pas même Boulos ça qui d'elle monsieur qui a voulu faire ça parce que aucun monde ça va en position que me prend le mandat de justice pour Jovenel. Donc ça c'est du côté OK messager. Parce que l'on a traité un problème pour regarder qui est-ce qui vient dans le message là. Deuxièmement, la parler de 200 Galilée. OK? 200 Galilée, non, mais. Mon document là, OK? C'est que je retrouve dans l'archive. Parce que quand même, pour qu'il y ait des archives, lorsque le premier ministre de son pays, justement, mon pays, c'est Haïti, quand on a des gens qui ont fait de fausses accusations, pour qu'il y ait un dossier dans le monde. OK? Qui ça, document? Ah non, partage avec nos documents. Mes documents, c'est un certificat définitif même, d'accusé de réception d'armes à feu. Mais là, m'a blil pour nous. La direction de la logistique a accusé réception de la compagnie AmeriJet le 8 août 2013 pour le compte de la police nationale d'Haïti, les matériels de Israeli Weapons Industry, de fabrication d'Israël et mes spécifications armes. Ça sont accusés de déception de la police qui recevra les armes pour la police nationale d'Haïti qui met dans dépôt direction logistique là qui dans académie et qui démarre toujours. Premier commandement, premier loi, il recevra le 5 mars 2013 200 fusils Galil. Le 5 mars 2013 200 fusils Galil et c'est de commande ça que Anel Belize a parlé, l'heure du monde, que c'est Salim Souka avec Laurent Lamotte. Je m'en profite de rappeler Laurent Lamotte, chef gouvernement, chef CSPN.
Salim Soukaté, directeur cabinet premier ministre là, pour rester selon les faits. Le 11 juin 2013, mon quantité de 500 fusils Galil que la police l'a recevoir de modèle ACE-22 calibre 5.56 couleur noire Mac Galil. Le 8 juillet 2013, bon l'autre lot de 300 fusils Galil qui vini qui c'est ACE-21 noir Mac Galil pour un total de 1000 fusils Galil et signé par la direction de la logistique, par le directeur de la logistique, monsieur Yves Stock, alias Chupa. Mais, moi, j'ai posté sur Twitter, moi, tout, une série de documents qui gagnent pour eux avec, justement, accusé de réception de ZAM. J'avais dit que ZAM, 1000 ZAM, ça a été commandé pour unité spécialisée, yo. Et, ils ont été distribués en deux lots. T'es un premier lot. Y a 600 en tout. Calé. Pour unité palais national, USGPN, 4 teams, USP. Bon, l'autre lot de 400 qui était distribué pour l'autre unité spécialisée, la police là, telle que UDMO, CIMO, SWAT, BRI, etc. Donc, c'est distribution. Nous gagnons tout, contrat qui fait entre l'État haïtien, donc la justice et la sécurité publique et Israeli Industries, nous avons un contrat ça qui posté sur compte Twitter Adlorant Lamotte avec compte Instagram n'a pas aller pour nous aller. Et donc ceci il s'agit de un commande d'armes qui fait parce que bandi ont gagné plus d'armes que la police. Bandi ont gagné plus d'armes que la police. Raison ça fait que une sécurité à ces commandes non seulement 1000 Galil mais 15000 pistolets Taurus avec 5000 fusils 12 qui était commandé pour renforcement de la capacité de la police nationale d'Haïti qui recevait en trois lots. C'était pour la police nationale. Est-ce que l'autre était premier ministre, chef CSPN? Mais Valério. Mais regardez mes amis, ça dit que là n'a pas information comme ça. Là m'a attendé et ancien député Anel Belize a parlé, il dit que Salim Soukaté vient chercher 200 Galil. Mes amis, 200 galets, c'est pas comme si on cherche un sac d'huile. C'est pas comme si on cherche un sac de café. 200 galets, pour logistique, pour déplacer 200 galets, c'est bon, c'est pas un bail simple que lié. Donc, mon yon prend pas à la comme si 200 galets, ou quand on dit, soit, d'avoir mis un sac d'huile dans la machine, dans des machines pour marcher. Oui. Mais faut, c'est une commande officielle, et nous garder dans le document. C'est une commande, tout à fait. Selon la règle de la. Officiel, l'en garder dans le document. C'est ça, nous avons signature eux-mêmes, nous avons saut gouvernement à l'époque. Mais quand même, ou même, d'après le pose aux questions, ça, comme premier ministre, chef CSPN à l'époque, ou t'es au courant, ou t'es même témoin que ZAM ça a été arrivé à le joindre la police, parce que nous voyons que la police accusait réception ZAM. Non, c'est vrai, son document qu'on a nous, mais est-ce que vous êtes au courant que ZAM a joindre la police? ZAM ça, on nous dit. Galil ça. Ok, Galil, premièrement, comment vous faites basé sur spécification de la police? C'est pas Laurent Lamotte ou bien maintenant le gouvernement qui décide, mais ça va l'acheter. La police l'intégrer des spécifications que le bail et que nous respecter au niveau CSPN. Alors, CSPN, pour m'expliquer qui s'allie, c'est que c'est le Conseil supérieur de la police nationale qui gagne en tête de premier ministre, assisté par son chef de cabinet, qui gagne chef de la police, là, qui gagne inspecteur général de la police. Donc le haut commandement de la police qu'il a, qui gagne ministre intérieur, qui gagne ministre justice, et d'ailleurs, c'est ministère justice qui passe quoi maintenant, parce que c'est le seul ministère habilité à faire des commandes d'équipement pour la police. C'est le seul ministère qui est habilité, et c'est eux-mêmes qui font. Ensuite, l'on a commandé des armes dans le pays. C'est pas comme si on a commandé du ou on a commandé du sucre. L'on fait commande des armes pour que le pays a lui-même Libo, ça aurait une licence d'exportation, ça aurait l'export permit, pour assurer que ZAM, ça aurait recommandé qu'il y a batterie pour force sécurité pays. Ça, c'est un. Deux, pays transit, là, qui c'est pays Canada, parce que pas de gain un vol direct entre Israël avec Haïti, faut que, comment yo te transité à travers Canada et y entré dans Amérique Jet. Et c'est ça que dit dans le document de réception, ça, ok? Que les dates que vous recevez à l'équipement. Tout reste là, c'est vous et monter,
c'est moun qui fait amalgame et c'est moun tout qui cherche détruire image Laurent. Yo ka essayer faire mais bilan li là est indiscutable. Nous comprenons ça mais et nous t'ai mon rapport quand même avec pays États-Unis et en question alors informez-moi si peut-être pas d'information ça pour ça nous commander des amis dans pays Israël pour ça c'est Israël nous commander des amis parce que spécification galé de c'est Israël qui fait et c'est ça la police a demandé nous c'est lui nous faire. OK si nous comprenons bien c'est ça la police m'a demandé nous que ou même comme premier ministre exécuté donc comme Galil c'est Israël. On dit c'est Israël qui fait, qui manufacture, nous dit. C'est pas comme premier ministre. Oui, c'est Israël et c'est Israël Weapons Industry qui eux même c'est eux même qui fabricant et mitraillette Galileo. Et par exemple, le question que vous posez que vous rejoignez Galil Jamaïque, que vous rejoignez Galil dans mes bandits. OK. Moi je retourne à date que m'était là de mai 2012. À décembre 2014, 12 décembre 2014. À partir de là, je suis au courant, je suis responsable parce que je suis pas en fonction encore. Ça fait tellement des chefs de la police là, fait tellement des gens qui étaient en fonction yo, de date ça, yo, leur reconnu. D'ailleurs, si nous la police là vient tourner pratiquement, alors pas toute police là, certains mauvaises graines dans la police là, ils viennent tourner au repère de bandits. Donc, ou vin gagne un paquet de policiers tout, qui démissionne, moun yo révoqué, ou gagne un Phantom 509, ou gagne pendant les derniers 8 ans ça. Donc, chaque moun sa te gagne, si yo te nan unité spéciale, yo te gon zam nan men yo. Donc, yo gagne doit vendre zam yo, yo gagne doit à la zam yo. Et puis, une fois yo fini à la zam yo, yo vin tourner koun ya la zam sa yo, vin tourner des zam de bandi. Donc, sou vle, c'est ça. Mais c'est des bagay pour allemand, des autorités qui te là, le sa fait là, pas autorité qui te là, 8 ans avant. Nous comprenons ça. Et on anticipe un petit peu sous côté d'après le vignier. Tout démarche, ça, c'est pour te venir joindre information qui fait qu'on est que, justement, Zam Sayo, ou t'as parlé de calibre Zam Sayo, qui c'est Marc, là, c'est Galil, nous rejoignons nos gangs qui est les gangs Galil, qui justement basé sur question le fait que yo t'es gagné, yo t'es possédé, yo t'es joindre Zam Sayo dans mais yo. C'est là que nous avons venu. Encore une fois, pour nous retourner, nous avons senti question sous sanctions. Yo, sanctions que le pays Canada prend compte. Et trois grandes personnalités, ou c'est Younan Yo, nous avons précisé ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Henri Séan, et vous-même comme ancien premier ministre PIA. Côté que nous influencer la politique PIA, nous, à distance, de près ou de loin, nous dit, nous financer gang yo, nous bâillons gang yo zam, c'est ça qui fait nous faire tout parler ça yo. Et je vous dis, mais ou même qui est obligé de prendre avocat pour défendre tout. Alors, question ça, qui gens que. La question à poser, du moins, c'est qui genre sanctions ça yo affecte à nous dit. D'abord, est-ce que yo dit que c'est des sanctions financières au niveau, nous a dit, yo bloqué compte finance nous. Est-ce que yo déjà entré en fonction? Est-ce que compte en banque nous a la mode bloqué dans ce moment-là? Bon, moi, pas à gué contre Canada. Donc, sanctions ça, c'est des sanctions. Moi, son monde moral. Ça veut dire que moi, j'ai éthique. Moi, j'ai famille. Moi, j'ai honneur. Donc, sanction ça, yo, le yal traîne non dans la boue, ça va même faire investigation, parce que ou dit que nan gang, ok, mais qui gang? Parce que y a 200 gang dans le pays, qui gang, qui le, comment, côté cop la sorti, comment cop la arrivé, comment cop qui te baille? Ou pas un gros pays, une des plus grandes démocraties, et pour entrer dans voyer monter, et wap ba de commentaires spectaculaires, et puis, côté li, soit dit que nan gang, mais à ce moment-ci, vous pouvez venir avec, et c'est pour ça que je demande. Réponse question, ça n'a pas besoin de en privé, non? Mais tu es en public, pas moi, ça gagne. Ou pas besoin, nous pas besoin de vous cacher, mais tu es tout ça gagne en public. Pas dit que je gang, mais je dis qui gang, qui le, qui jean, qui bo, comment on a rentré, qui gang mal financé. C'est comme ça qu'on fait, lorsqu'on gros pays comme le Canada. Ou pas rentrer dans zin. Ou pas rentrer dans la revanche politique et pour pas faire travail l'autre opposant qui a cherché détruire depuis plusieurs années et puis c'est dans couloir ça rentrer pour faire parce que là couloir ça OK couloir que vous choisissez qui c'est couloir financement gang là son couloir qui pas passé il a essayé mettre dans criminalité il pas passé tout le monde connaît et tout le monde well tout le monde vive que sous l'aura la mort gang yo c'est mis hors d'état de nuire. Pas de gang qui t'a fonctionné à partir du moment que la police l'a fait gang ça,
joine gang yo arrêté yo à partir du moment que yo joine moun nan l'arrière qui gen zam yo mette en barcode et moi pense que ça li de notoriété publique c'est m'pa prendre personne là. D'accord, ou répond évidemment pour vous personnellement, mais n'a pas rappelé que gagne trois l'autre nom, gagne deux l'autre nom à nous dit, youn nan yo c'est ancien président Michel Martelly que ni tout neuf. Il y a tout neuf en tout. Oui, il y a l'autre. Alors, ça cap fait actualité. On n'a pas posé poser question directement. Alors, question d'après sous Michel Martelly lui-même. Qui est rentré en Haïti, d'après information qui vient de joindre nous dans VOA Creole, qui est rentré en Haïti récemment, ou gagne une opinion sur ça. Et puis, bon, d'ailleurs, on dit au papa Lavelle depuis quelques temps, depuis la mort de Jovenel Moïse, depuis 18 mois. Mes réactions sur ça et qui je pense qu'il a préagi. D'après Michel Martelly, après d'après Jean Rissien, quand même, c'est un ancien premier ministre. Et bon, écoute, Michel Martelly, son ancien président, son haïtien, il doit arriver dans le pays, il doit arriver en sécurité là dans le pays. Il n'y a rien de mal à ça, son président, qui va entrer dans le pays, qui va tourner dans le pays, okay? Qui n'a pas gagné aucune charge qui va être tenue contre lui. Qui gagne un pays étranger qui a mis des sanctions, mais monsieur doit rentrer. Et puis c'est monsieur qui décide ça l'a fait. Moi-même, je n'ai pas gagné pour moi. C'est juste ma permettre une opinion, mais pour moi, je n'ai pas avec qui ça coule. J'ai envie de se faire rentrer. Moi-même, je n'ai pas rentré tout. Donc c'est juste ça. En fait, ça dépend de choix, mon. D'accord. Pour nous finir, en conclusion, ou réagir ou ba nos opinions ou dit nous qui sont pensés de sanctions yo et n'a pas retenu que ou même Laurent Lamothe ancien premier ministre haïtien qui sanctionné par pays Canada ou décidé pas décidé seulement ou prêt déjà aux mêmes dispositions pour répondre à sanctions ça yo avec certaines de façon légale c'est ça nous qu'a conclu sur ça n'a plutôt peut-être préciser pour nous dernier point ça bon dernier point que moi-même pour moi-même yo servi avec des sources de détracteurs non OK qui eux même des besoin pour une réponse politique et puis qui joignent un couloir favorable pour rentrer sous premier ministre Justin Trudeau et puis eux servir à couloir et puis après ça pour mettre non on ba que tout le monde connaît c'est pas vrai yo ba rien preuve yo ba faire investigation yo ba ka yo ensuite yo ba un motif parce que femme d'avoir un motif m'a financer gang à quel but m'a financer gang dans la. Alors que moi-même, moi c'est mon cap mandé, trouver étranger pour venir mon compte gang, et puis c'est mon cap dans financer gang, et mes hommes font mieux. Donc c'est ça, mon compte dans ça. Merci, monsieur Laurent Lamothe, merci en pile. Et puis certainement, fait VOA Creole, la voix de l'Amérique, t'as intéressé, connaît, démarche, ou du moins suivi, quoi fait, au niveau légal, pour capable poursuivre le gouvernement canadien, et sous sanction, ça, que vous prenez compte, ou même personnellement. Merci encore une fois. Tout à fait. Merci à Bill Valérieux.